qu'une guilde ne peut pas avoir tous les territoires. Les niveaux de guilde étant limités, la guilde ne peut avoir qu'un certain nombre de territoires. Je crois que c'est 6 au max, un truc comme ça. Ah, quand même. Donc ça évite qu'une guilde domine toute la map, en fait. C'est-à-dire. Je crois que c'était 6. Alors attends, il y a combien de villes? 1, 2, 3, 4. Vous avez ça. 5. Ouais, non, c'est 5 ou 6, c'est sûr. Je vais refaire un compte vite fait, mais je crois que c'est 5 ou 6. L'intérêt, c'est ça, c'est que bah du coup, ça laisse pour les autres guildes, ça laisse des territoires pour la deuxième guilde et pour la troisième guilde, quoi, en général. Ou que pour les plus petits levels, puissent s'amuser, ou les plus petites mains puissent s'amuser entre elles, quoi. J'aurais une autre question pour toi. Mmh. Où est-ce qu'on trouve des livres sacrés? Ah, bonne question. Est-ce que j'en ai trouvé un? Un petit peu au détour d'une... probablement d'une quête cachée. Non, tu l'as eu, le premier te le donne gratos. Les livres sacrés, en fait, t'as plusieurs moyens de les avoir. On va retourner dans le sac, on va aller dans échange. Ok. Ok. Et tu vois, le premier truc dans Dero, t'as Résol, Géant Céleste et Tom Céleste et Tom le Flanc, ouais. Tu as trois livres sacrés que dans cet onglet. Ensuite... 4, il y a Firbolt Bestial sur la page, ouais, 2. J'ai oublié Firbolt, merci. Et bah c'est pareil, tu vas dans Honneur maintenant. Tu as Cœur Brûlant, Tome la Grâce, Flamme de Péché, Plante dépouillée, ce sont 4 livres sacrés. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À partir de ces 4 livres sacrés là, ça devient le bordel. Parce qu'en fait, dans... tu as débloqué l'onglet Livre Sacré, sous apparence. Ouais, ouais. Tu vois et que ça va devenir le bordel. Voilà, ça va être du craft parce qu'il va falloir les combiner entre eux. Donc dans combiner, tu choisis un livre sacré au niveau. Il va te dire, bah les plus bas niveaux, voilà, c'est ça. Et t'en choisis un jusqu'à temps de faire celui que tu veux. Ok. Ça, c'est la partie simple à comprendre. Enfin, c'est la partie simple. C'est le bordel dans le craft, mais c'est la partie simple. Ok. Il faut savoir que les livres sacrés donnent des stats passifs que tu les équipes ou pas. C'est ce qu'on appelle leur niveau de maîtrise. Maîtrise, ouais. Et une fois que tu as maîtrisé, par exemple, Flamme de Péché, ça augmente ton attaque physique de 19. Pour maîtriser un livre sacré, il faut un objet que tu trouves dans Échange, tout en haut. À côté de la minimap. Oh. Ah, parce que c'est pas maîtrisé une fois qu'il est crafté? Non. Quand il est crafté, tu peux l'équiper. Enfin, le maîtriser, c'est l'ajouter dans ta bibliothèque, en fait. Ouais. C'est en gros l'équivalent de maîtriser, c'est je prends le livre sacré, je le mets dans la bibliothèque. Tu peux l'équiper, le déséquiper, mais il ne sortira plus de cette bibliothèque-là. Mais en fait, il faut qu'une fois que tu es dans l'échange, tu vas dans Autre. Et tu vois que tu as un truc qui s'appelle Parchemin Ancien dans la première colonne à gauche. Alors, dans Échange, tu dis. Ah oui, Échange. Ouais, d'accord, c'est. La balance. Autre, okay. Parchemin ancien. Bah ça te permet de monter les niveaux des livres sacrés. Donc concrètement ça fait quoi? C'est-à-dire que ton livre sacré il va monter de rang, excuse-moi. En montant de rang, ses stats, quand il est équipé, vont augmenter. Et quand il atteint son rang max, tu as la stat maîtrise qui se débloque. D'accord. C'est là qu'on trouve les parchemins anciens. Ok. Alors, c'est la stat maîtrise aussi augmentant. D'ailleurs, je crois que j'ai dit une connerie. Et je crois que tu avais raison, c'est une fois que tu l'as maîtrisé, t'as une stat maîtrise et c'est. Elle monte en même temps que le niveau. Ouais. C'est pour ça qu'il faut monter le niveau. J'ai la plante dépouillée, du coup, j'ai un livre sacré, la plante dépouillée, et j'ai déjà la stat de maîtrise. Oui, non, c'est moi qui dis une connerie. Je crois qu'ils l'ont changé ça, parce que je suis plus sûr, mais je revérifierai. Mais du coup, là maintenant, en fait, l'idée. Alors, ces parchemins anciens, tu peux les avoir dans un événement que tu feras. Alors je crois qu'il y en a encore un qui va tomber dans peu de temps, qui est Ordre des 5. C'est le principal événement pour dropper des trucs sur Livre Sacré. Mmh. Ah oui, le truc qui me demande d'être niveau 60 alors que je suis 59 3 quarts. Après t'en as d'autres, des événements comme ça je crois. Mmh. Et voilà. Ok. Ok, je vois. Donc
voilà, hein, j'ai fait un tuto super rapide sur Livre Sacré. Après, pareil, hein, pour ceux qui ont plus de questions, qui veulent en savoir beaucoup plus sur les formations de Livre Sacré, des trucs comme ça, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur Livre Sacré il y a longtemps. Sur Perfect World, hein. Là, j'ai fait un petit récap et j'ai expliqué de manière la plus simple possible parce qu'il y a encore d'autres trucs à savoir, mais c'est pour des trucs plus achalants. Hein. Ou au pire, t'as un espace commentaire. Ouais, dans la vidéo aussi. Mais je récapitulerai pas tout par écrit. Je mettrai juste un lien. Reconnaissant. La flemme ? Non. Si, complètement. Tout de suite. Bon, allez, va falloir que je fasse un donjon qui sera le niveau 69 pour avoir ma cutie sans ajout démon. Comme ça, je suis tranquille. Ah, 69 ? Ah, flûte. Ouais, ouais, je sais. J'y ai pensé. Puis je me suis... Oh, tu sais quoi ? Vas-y, fuck. Je vais t'attendre. Non, je t'attends. Je sais que tu vas promote demain, à peu près. Quand t'auras promote, je sais que t'auras atteint ton 69 dans la journée de demain. Et donc, on fera le donjon ensemble. Pas précis. Ouais, mais là, t'es encore sur l'événement d'aujourd'hui, donc tu peux le faire aujourd'hui, en fait. Bah, j'ai plus de drop, c'est juste pour finir ma culti et utiliser mon skill sage rare, dont je suis tout content que j'ai chopé comme ça par hasard. Ah ouais, non, bah, tu sais, au pire, on le refera ensemble, hein. Vas-y, roule. De toute façon... C'était juste histoire que je fasse un truc plutôt que là depuis tout à l'heure je suis en train de tourner autour du... De l'arbre du... En guild, c'est ça? Du PNJ Guild Manager en fait, mais... Ah, des fois les gens tournent autour de l'arbre ou comme moi ils tournent autour de l'escalier aussi, c'est déjà arrivé. Ah quoi que non, là je suis en train de faire une... Je suis en train de faire une Rocky, là je monte, je descends l'escalier, c'est vrai depuis tout à l'heure. Alors en même temps j'ai demandé un enfer ou paradis, mais je crois que j'ai niveau, mais j'ai pas le BR, donc ça va être tendu de trouver une team. Ouais, ah, il manque 100 de BR pour avoir le BR. Vous savez quoi, s'il manque bon, après, 100... pour 100 de BR... Ouais, on va juste prendre des pierres, on va aller faire level up et j'aurai le BR. Foire. Foire. Pierre d'âme. Ok, qu'est-ce que j'aime bien pouvoir level up hein. Je vais peut-être continuer cette quête-là. Cette quête secrète. On va prendre des pierres pugnaces. Des pierres pugnaces? Ouais. On va prendre quelques pierres pugnaces, on va en prendre deux parce que trois ça sera trop. Et j'aurai pas les sous. Est-ce que j'aurai mon 100 de BR qui me manque? Attention, j'améliore. Et. Voilà, j'ai eu mon salaire qui manque. C'est vrai que j'ai pas fait un truc maintenant que j'y pense. Heureusement qu'il y a des gens qui me le rappellent dans mon cerveau. Mais je suis pas tout seul des fois dans mon cerveau. Vous voyez la preuve ? On rappelle des trucs. Vous vous rappelez la gravure dont j'ai parlé dans la précédente vidéo ? N'oubliez pas que vous avez des récompenses tombe ciel que vous pouvez utiliser pour avoir des items de gravure. Hein. Dans les changer toujours pareil. Hop là, des items de gravure gratuits. En échange, c'est ça? Ouais, je vais te dire où c'est. C'est vrai que je l'ai fait un peu en juif, là, rapidement. Sans offense pour les juifs. Je les aime bien, c'est des potes. J'en ai un d'ailleurs, hein, au Kamen, hein, je vous jure, c'est vrai. Hein. Non mais ça va, arrête de défendre. Non mais arrêtez. Je sens la haine arriver et couler. Et j'ai pas assez de sous pour faire un procès contre eux. Alors ça, par contre, c'était un petit peu... Bref. Ils ont rien entendu. Alors du coup, je te dis où ça se trouve. Donc tu vas dans ton sac, tu fais échanger. C'est dans échanger. Voilà. Et tu as à droite, échanger normal, prestige, tombeau, maître, disciple. Ah c'est ça. Tu vas dans tombeau. Non, si tu vas dans tombeau en fait. Oui. Et là oui, tu peux utiliser tes petites boules de la tour pour des coffres de gravure en fait. C'est ça. Question pour la tour. Y a un moment où l'étage redescend ou pas? Non, non. D'accord. En gros, tu vas le plus haut que tu peux, et si jamais tu veux plus avancer, tu fais raid tous les jours au minimum, pour avoir des items. Basta. Il
Donc faut pas te casser la tête, hein. La tour c'est... tu l'arrêtes, si t'es bloqué un étage, c'est pas grave, tu reviendras plus tard. Tu fais que des raids, et une fois que tu penses avoir assez de verre pour remonter, bah du coup, tu tentes de... d'avancer tes étages. Ok. Alors, est-ce que tout est niveau 4? Non, toi tu l'es pas. Voilà, là tu l'es. Niveau 4? Ouais. Ouais, dans mes gravures. Ah, les gravures, ouais. C'est bon, on va pouvoir passer au niveau 5 partout. Enfin, ça va être compliqué parce que c'est long le niveau 5 déjà. Voilà, là c'est... Hop là. Tu m'avais aussi fait remarquer un truc par rapport à l'héritage des objets. Tu m'avais dit après 59, c'est plus automatique, c'est ça? L'héritage des... Ah, pour les perfectionnements? Ouais, c'est ça. Non, c'est une fois que t'as dépassé le... Je dis pas de bêtises, je suis en train de relire du coup en même temps. Une fois que t'as dépassé le plus 12, et le perfectionnement n'est plus transférable automatiquement. Mais ça demande un truc qui coûte Gucci en fait. Okay. Ça demande des lingots d'argent, tu l'as dans l'échange échange tout en haut. Et c'est la pierre déviante. Et ça coûte 50 lingots d'argent. En gros, c'est juste pour te dire que c'est plus automatique quoi. Ouais. Mais c'est plus 12, donc C'est plus 12. Ça laisse largement le temps, je pense. Bah déjà, t'es censé avoir une arme plus 8 là déjà. Nope. T'as pas eu une arme avec un plus 8 dans son truc? Non. Je suis en plus 5 maximum. Hein. Je rejoins ton perso. Il y a un truc qui va pas là. Merde, me dis pas que tu l'aurais... Bah non, c'est une arme jaune. Tu l'aurais pas acheté. Ah non, arme jaune. J'ai rien eu de jaune encore. Bah si, j'ai eu un stuff jaune, mais je l'ai looté. Ah ouais, non mais ouais, mais j'avais du coup, c'est pas ça. Pourquoi tu ne l'as pas eu? J'ai pas eu dans un coffre de cash-up, bon ça c'est sûr. J'ai eu comment déjà cette petite arme jaune? T'es caché quelque part toi. Ah! Tu l'auras demain. Oui, on a un jour de décalage par rapport au serveur. C'est ça. Merci encore mon troisième mot. C'est dans off. Dans off ou dans avantage, je sais plus. Mm-hmm. Je sais plus où c'est. Mais en moment, t'as les bonus de connexion de serveur. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est dans cadeau. Et donc tu regardes, toi t'es à quel jour? Je dois être au premier jour moi. T'as dit offre, c'est ça? Non, avantage cadeau. Avantage cadeau. Et c'est au jour 2 que tu la récupères. Cadeau, j'ai rien, moi j'ai Discord et Facebook en fait. Mais ah non, si, là. Cadeau, ah, ouais, c'est bon. Oui, ça y est, je vois là. Exact. Ok, tu l'auras demain. Si t'as pas le bouton récupérer, tu l'auras demain. Et c'est une arme plus 8. Donc du coup, même s'il est moins bien que ton arme actuelle, tu l'équipes juste pour mettre le bonus de plus 8. Elle sera pas moins bien que mon arme actuelle, je pense. Voilà. Il y a pas de chance. Voilà. T'auras une arme jaune avec un bonus de plus 8 déjà dessus, offert gratuitement. Ouais. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est utiliser après des pierres pour la passer en plus 9 et plus 10. Tu as des pierres qu'on t'a offert gratuitement, normalement. Enfin, t'as des pierres bénies que t'as eu de temps à autre. Oui. Et bah, tu les utiliseras pour la passer en plus 9. Déjà ça. Tu vas voir que ça va te faire tomber, il va faire pouf, pouf. Voilà. Ouais, bah cette arme pourrait peut-être même suffire à monter les points de BR qui me manquent en fait. Oh, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est bonne. Ah bah je suis à 34 000 actuellement, sachant ouais, qu'il y a... 000, je sais pas si l'arme pourrait, mais... Attends, bah en fait, je compte toute la journée, c'est-à-dire que là actuellement j'ai plein de choses qui sont en stand-by parce que je peux pas le faire. Genre, j'ai plus de moyens de gagner de l'argent d'écus d'argent correctement, mais elle une fois que donne, ce sera fait... Elle te donne combien ton arme en BR actuellement? Attends deux secondes. C'est
quoi ça? Une fois que je saurai ça, je pourrais te dire. Voilà. Alors, j'ai quand même un bon BR sur mon arme. Hein. Le basique ou le complet? Le complet, du coup, parce que je rajoute ça. 2828. Ah, elle pourrait monter à 4000, donc tu toucherais 2000 de BR en plus, peut-être à 6000. Ce serait grand maximi, je pense. Et t'aurais déjà du BR en plus. Quoi. Bah, 6000, ça te fait. T'as un gain de. Ça me fait 38 000. C'est déjà pas mal, t'aurais bien avancé, hein, sans compter tout le reste que t'as à faire, je sais pas où tu parlais. Alors, pac. Alors, par contre, vous voyez que c'est vrai que c'est grâce un peu au cash shop et donc grâce à Huawei avec leur offre qui m'ont. J'étais pas convaincu, j'ai testé le cash shop et c'est vrai que bah, c'est plutôt rentable. Avoir 50% de revenus de nouveau sur ce que tu as dépensé, ça reste toujours cool. Qui me permettent, je pense, d'être à niveau direct une fois 69 pour faire le jeu 69. Je pense que il y a eu un peu de ça quand même. Oh, de toute façon, c'est pas un secret que pour ce jeu-là, faut mettre la main au portefeuille hein, pour être efficace. Non, c'est vrai que encore en tant que tank, tu peux esquiver parce que, bah, par exemple, tu vois, je sais que je peux te prendre en temple du déclin brune et que tu vas le tanker. Même si t'as pas encore un stuff qui a 44 000, si t'es à 36 000, je sais que ça passe quoi. 34 000, 36 000, c'est bon, t'as juste 10 000 en dessous, c'est pas mortel. Tu le passes. Par contre, ouais, en effet, un DPS qui est à 36 000, 34 000, je serais en mode, bah, il n'y a pas de boss qui ont DPS chèque, donc t'as de la chance, mais je sais que ça passera pas, quoi. Enfin, s'il y avait des boss comme ça, ça passera pas. Parce qu'il faut savoir que le tank, comme j'ai dit, il s'en fout, il est pas là pour DPS, donc il n'est pas concerné par ce type de boss. Mais il y a des temples du déclin, il y a des instances qui ont des boss qu'on appelle DPS check. En gros, c'est ils check votre DPS, ils sont en mode est-ce qu'il y a assez pour que vous tombiez le boss en tant de temps. Si vous ne tombez pas en tant de temps, du coup, ce qui se passe, et bah le boss il wipe tout. TPK. C'est ça. Total party kill. Merci, au revoir. La sortie, c'est par là. C'est un peu l'idée, donc c'est pour ça que. Je suis plutôt, voilà, on va dire, j'allais dire pensif, non, mais je suis plutôt critique par rapport au côté free-to-play de Perfect World sur les DPS. Sur les tanks et les heals, j'ai déjà vu faire, j'ai déjà des gens qui ont joué en full free-to-play, qui ont de très bons tanks, de très bons heals. Je sais que c'est faisable. Vraiment. Mais avoir un très bon DPS sans avoir mis un euro, il faut qu'il y ait une guild derrière vous qui vous supporte et qui vous aide à aller à avancer, à faire votre stuff et tout, parce que sinon c'est pas possible. Si vous n'avez pas une guild qui soit derrière vous qui dit bah je te prends dans l'instance, même si t'as pas le DPS pour passer le DPS check, au moins on va prendre lui qui a un gros DPS et ça va passer quoi. Vous pourrez, je pense que vous pourrez toujours le faire, mais il faudra être patient quoi. C'est ça, enfin c'est. Vous mettrez trois fois plus de temps que les autres vous stuffer pour être au taquet en termes de dégâts, etc. etc. Bah ça reste, voilà, c'est vrai que ce jeu, si vous avez pas des potes ou une guild et que vous jouez DPS, ça reste compliqué quoi, si vous voulez vraiment vous faire en free-to-play. Et je suis pas contre les free-to-play, hein. En général, je trouve que... Moi c'est vrai que j'ai toujours un peu la main à la poche dans un jeu mobile, parce que c'est... Mon côté, je compense un peu dans un free-to-play, j'ai toujours un peu des sous pour dire aux gars, bah j'aime bien votre jeu, j'ai joué tant de temps... Franchement, bon bah j'investis un peu comme si j'achetais un vrai jeu quoi, de temps à autre. Mais encore, Perfect World, c'est vrai que si on le fait pas et qu'on est des PS, c'est dur. Et en
part, je suis sûr qu'il y aura un type qui me dira « Ouais, mais moi, j'arrive à gna gna sans... » C'est un cas général. Après, si vous y arrivez sans, c'est que vous avez une dette quelque part, quand même. Non, une personne peut y arriver même sans aide, mais c'est juste qu'elle prendra le temps, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, bah ouais, mais le problème, c'est que tu seras... Enfin, moi, c'est le côté pris dans les instances qui me gêne. Parce que je connais la mentalité des gens sur les RPG, c'est... On a un DPS qui est plus fort que lui. Bon, on va prendre DPS qui est plus fort que lui, l'instance il ira plus vite. Mm-hmm. Alors à part de tomber sur des gens comme moi qui sont « Ouais, mais vas-y, c'est un pauvre petit gars, il galère à faire son instance, j'ai pas les clics, c'est bon, je suis pas sûr, il y a le DPS qui manque, et puis basta. » Ça va être compliqué. C'est, déjà, quand t'es tank et que tu te fais remplacer par un DPS, tu l'as déjà mauvaise. Ouais, mais ça, c'est pour les petits donjons, c'est vrai que, bah, comme j'avais expliqué, les gens pour les petits donjons ils sont un peu cons, tu vois. Genre, ouais, mais le temps qu'on s'en fout, on a un plus gros DPS, il peut faire le donjon lui tout seul. Ok, mais vous savez que le temps, quand vous aurez besoin de lui, du coup, il va s'en souvenir. Hein. Il peut qu'il soit un petit peu aussi rancunier qu'un nain, vous êtes mal barré là. Hein. Il aura noté tout ça dans son livre des rancunes. Il dira toi, ah, mais tu m'avais jarté quand j'étais niveau 19 pour tel truc. Ok, mais je viendrai pas t'aider. Non, je suis... Ça sert à rien d'être rancunier. Vaut mieux se faire payer. C'est plus rentable. Un prix d'amis pour ceux avec qui tu t'entends bien, et sinon, plein pot. C'est que ça. Ralliement. Je vais encore tomber sur une quête à la con, moi. C'est possible. Demander de l'aide sur le canal monde. Voilà. Ah, c'est quête de dialogue. Enfin, il faut que tu écrives quoi sur le canal monde. Venez m'aider à l'altar machin. Sauver l'hôtel de Tislaev, apparemment. Écoute, on verra ça plus tard. Alors, il faut savoir qu'elle est buggée et qu'elle marche qu'en anglais. C'est-à-dire, il faut passer ton jeu en anglais et il faut que tu écrives la phrase en anglais. Alors, je sais pas s'ils l'ont corrigé depuis le temps, mais il y a quelques temps, quelques mois quand je jouais, c'était comme ça. Ok. Bah, c'est pas grave, pour l'instant, elle est en stand-by. De toute façon, je pense pas qu'il y ait un truc vraiment intéressant sur cette quête là pour l'instant. Tu peux gagner d'autres trucs sympas, mais bon, c'est comme les quêtes cachées quoi. Comme je t'ai dit, faut que tu les fasses pour avoir tes 20 000 lingots d'argent. Mais bon, elle est chiante parce qu'il faut attendre d'avoir l'autre. T'en as une autre comme ça, faut que tu parles en monde. Comme ça, au moins, tu passes ton jeu anglais, tu fais les deux en même temps et puis basta. Après, ils ont peut-être réglé le bug, hein. Peut-être que ça a fonctionné direct. Hein, mais... Bah écoute, je verrai une fois que j'aurai la deuxième. Hein. Là pour l'instant je me balade un petit peu sur la map en cherchant des PNJ qui auraient pu... Ah bah tiens, je viens de croiser Nyanko. Je vois Nyanko qui se balade sur la plage. Eh oui, toujours. Oui oui. Tu veux éviter la vidéo, tu fuis. C'est ça. Totalement. Comment ? Il m'a rien, une petite bricole. Il a... Squad ready to go, voilà. Si vous me cherchez, je suis dans le bar. Ok. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. En même temps, il se fait des heures, 2h04 du matin, là. Chut, faut pas dire les heures à quelles je tourne mes vidéos. Ah ouais, mais... Esclavagisme!
Quoi ? Vous êtes juste allé dans un donjon, c'est bon, je vous ai lâché après. Oui, c'est pas faux. Je vous ai juste dit, viens, on fait ça. Et en fait, j'avais raison parce qu'aucun de vous deux l'avait fait. Ouais. C'est pas comme si j'étais en mode. Après, j'aurais bien fait d'autres quêtes, d'autres donjons, d'autres machins comme ça, mais. Ouais, mais le jeu, oui, je sais.